Et bonjour à tous et bienvenue, quatrième épisode de The Pass Within, qui n'était pas prévu, comme vous pouvez vous en douter, étant donné qu'on voilà, on avait fait une outro à l'épisode 3. Attendez, je mets juste mon casque correctement. Et voilà, ce qu'on a fait, c'est on a recommencé une nouvelle partie, mais en sélectionnant l'abeille au début des questions qui sont posées, voir si les énigmes sont différentes. On va le voir assez rapidement, je pense. Je vais, de mon côté, ouvrir ma lettre. C'était quoi l'année? C'était... Hein? C'était 1926 aussi, l'année... Ouais, ouais. Donc ça n'a pas changé. On verra si le code pour ouvrir la boîte est différente, mais... Après, peut-être que le début est pareil et que les autres énigmes sont pas pareils. Ouais, mais je confirme, en tout cas, mon code pour la boîte n'est pas le même. Ah? Ouais. Okay. Du coup, je te laisse avancer de ton côté, il faut que tu ouvres ton écran et je te donnerai le code 1900... Enfin, il faut que tu rentres 1926 quand il te demande le code. En tout cas, la lettre est la même. Donc moi, de mon côté, ça commence exactement pareil, en tout cas. Moi aussi, mais... Oui, je sais jouer. Pour continuer. Qu'est-ce que je fais? Préparez-vous à établir une connexion avec la personne dans le passé. Attention, vos accents peuvent modifier la pièce et les nanana. Ouais, ensuite, je sais quoi. Ouais. C'est 1926, c'est ça? Ouais. T'es sûr? Ah oui, je l'ai souligné, moi, dans ma lettre. Alors, Elodie n'a pas vu les épisodes, du coup, une fois montés. Elle a juste vu un screen que je lui avais envoyé, voilà. C'est bon, je sais jouer en fait. 1926, hein, d'accord. Accès autorisé. Veuillez communiquer l'information suivante à la personne dans le passé. Alors vas-y, je t'écoute. Première colonne. La première colonne, c'est le premier carré et le troisième. Ouais, donc c'est pas le même code. Vas-y. Après, dans la deuxième colonne, c'est que le deuxième. Ok. Et après, dans la troisième colonne, c'est le premier et le troisième. Premier et le troisième. Ouais, donc c'est un X. Ça n'a rien à voir avec la forme précédente, ok. Ensuite, ouais, c'est bon. Du coup, je vais juste me regarder rapidement dans le... Et confirmer que la personne dans le passé a ouvert la boîte. Donc oui. Tu peux confirmer? Tu peux confirmer. D'accord. Wow. Ah, c'est un papillon ou une abeille qui vient d'apparaître? C'est une abeille, hein, parce qu'un papillon, ça passe cette moi, forme. J'ai rien qui est apparu de mon côté. Moi, j'ai une forme d'abeille qui est apparue. Ah, donc c'est bien différent. Parce que ça ressemblait pas à un papillon, ce qui vient d'apparaître. Donc on a bien une différence. Moi, de mon côté, tout se ressemble, je t'avouerai. Moi pas, aussi, mais là, le symbole, même le symbole, l'affiche à côté de moi, ça ne dirait une abeille, c'est pas un papillon. Moi, pour le moment, j'ai pas notifié de différence notable. Ah, si, j'ai un tableau, c'est une abeille et pas un... Oh. Et pas un papillon. À faire avec ces plus. Je vais contrôler mes mots. Mais salut. Ouais, s'il te plaît, contrôle un peu plus tes mots cette fois-ci. Parce qu'il faut pas sortir. Bah. Placer la souris. Bah, j'ai pas de souris en fait. Parce que nous, on fait tout tactile, vous savez. C'est la spécialité de la chaîne. Toujours au tactile d'ordinateur. On a des ordinateurs portables, donc bon. Bien, du coup, de mémoire, t'as récupéré un bouton et il faut que tu ouvres le P 17, c'est 7. Ça avec les tableaux. Ok, et donc je te donne l'ordre des tableaux. Vas-y, dis-moi. Donc tu as en haut à gauche notre maison. Donc la maison. Je la trouve. Ensuite. En haut à droite, abeille. En haut à droite, c'est abeille. Hein. En haut à droite, l'abeille. Merde. Attends, parce que je l'ai passé sans faire un spray. Oui, pas de soucis. Ok, ensuite en bas à gauche. En bas à gauche, le corbeau. Ouais. Et en bas à droite, on a Albert et Emma. C'est Emma ou Marie? Je sais même plus. Non, c'est Emma, hein. J'ai un doute. Rose, n'importe quoi, aucun des deux c'est Rose.
pourquoi j'ai ces deux prénoms là qui me sont venus. Bah peut-être parce que tu connais une Marie, tu connais une Emma, alors tu t'es embrouillé. Ouais aussi, mais mais j'en sais aussi... rien. Mais Emma c'était aussi une perso de Restylake, hein, donc Ah ouais, ouais, c'était ça. Donc c'est pour ça. Du coup, t'as un code à me donner pour le coffre? Ouais, hein. Dès que t'es au coffre, tu me le dis. Hein. On n'en parle pas avec un E préposal, c'est infernal. Dès que t'es au coffre, tu me le dis, ok? Ouais, je suis au coffre, là, vas-y. Ok, donc la croix à l'envers, en haut à gauche. Ah, d'accord. Ok, ensuite. En haut à droite, c'est un rond avec une croix à l'intérieur. Un rond avec... Ah, d'accord, ok. Ensuite, en bas à gauche, tu vois le rond avec le trait. Alors j'ai deux ronds avec un trait. Le trait est vertical, ouais, ou horizontal? Vertical. Vertical avec le truc rond en bas. Donc, on va dire que ça c'est un P décroché. P décroché? Ouais, parce que hein, pour moi ça ressemble à un P, mais auquel on pourrait retirer la boucle. Tu vois, la boucle ce serait décalé. Tu vois, un P majuscule. Ouais, non, ouais, bon, ok. Alors ensuite, le dernier truc c'est le rectangle avec deux carrés. Voilà. C'est bon? C'est bon? Non. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Ah, alors ok, c'est parce qu'il y avait un deuxième symbole qui ressemblait et on s'était pas compris sur le symbole numéro 3. Mais c'est bon. C'est bon alors? Ouais. C'est bon, je peux me barrer de là? Oui, tu peux te barrer de là. Et tu peux aller du coup à la grille. Oh, j'ai une souris. Eh non, la dernière fois c'était un rat. Qu'on avait. C'était une souris blanche de mémoire. Non, c'était pas un rat. Je sais plus. Là, j'ai une souris blanche qui vient d'apparaître devant mon... Ouais, ce code est différent du premier. Ouais, j'ai un code. Donc, on va avoir les mêmes mécaniques, mais avec des codes différents. Ouais, j'ai un code, là. Est-ce qu'on va avoir de grosses différences fondamentales? C'est la grande question. Donc, vas-y, oui. Donc, t'as tes trois barres graduées de 1 à 5. Oui, on est d'accord. Je voilà. Suis dessus. Du coup, la première gradation, c'est 1, 5, 2. La pile. Nickel. C'est la sainte pile. Donc je vais aller à l'horloge, parce que je sais que c'est l'étape suivante. Recharger le gaz ajusté à citer. Hein? Je sais plus, faut que je foute la pile. Bah, t'as un emplacement qui va t'afficher une heure. Tu sais, il y a un ventilateur, il y a une espèce de ventilateur de mémoire. Attends, peut-être oui. Ah oui, d'accord, oui, effectivement, oui. Alors, j'avais émis l'hypothèse, vas-y, tout à l'heure. Oui, 13h15. Ouais, donc ça, rien à voir. Hop. Ah. Nickel. Du coup, le portrait. Voilà, c'est cassé, on connaît cette mécanique. Et moi, donc, je vais aller me mettre le masque sur la tronche. Oui, donc on verra pas... Mais Et c'est pas le numéro 1. Ah, cette fois-ci, c'est le... D'accord. Parce que, en fait, le... Dans... Quand on avait pris le papillon, c'était le tiroir du milieu qu'il fallait que j'ouvre, et là, c'était le dernier. Ok, donc il y a des trucs qui changent. Il y a des trucs qui changent. Là, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Alors, indiquer l'heure. Débloquer la lentille. Débloquer la lentille. Installer les trois indicateurs de la lentille... Pour regarder dans la pièce où se trouve la personne dans le passé. Ok, du coup, ouais, faut que j'aille. Rien là. Compris à ça. Tu sais, c'est la lentille. Moi, j'ai une croix, une flèche et un point avec un trait. C'est la lentille. Je sais plus, frère. Oh, pourtant, c'était la semaine dernière qu'on a joué, chérie. Non, pas la semaine dernière. C'était deux semaines? Ah, ouais. Non, mais ça doit pas être ça. Je comprends rien. T'avais une sorte de lentille, une sorte d'objectif, et t'avais des. Donc ah, des... Ouais, mais. Je peux rien faire avec. Bah, tu peux bouger la croix, le rond et la flèche normalement. Non, je ne peux rien faire, elle est pas ouverte. C'est ce que je dis, appelle-moi. T'avais une clé à récupérer, t'as cette clé là à utiliser. Ah, putain, oui, la mécanique de la clé. Attends. Normalement, tu dois pas regarder mon écran. Je sais, mais bon, après, on connaît un peu le jeu maintenant. Allez! Ok. Du coup, tu veux quel symbole en premier?
N'importe, je m'en fous. Bah, la croix à 3h. La croix, la croix de le truc là. Ouais, de toute façon, croix, point et flèche. Ça a 3h ça déjà. Bah, si c'est déjà 3h, c'est bien. Ensuite. Le point à 6h. Ouais. Et la flèche à 9h. C'est bon. Ok. Y'a un truc avec des trucs qui s'allument. Oui, donc vas-y, faut que tu me donnes. Les trucs, donc papillons, arbres, lesquels sont éclairés? Alors l'espèce de pyramide là. Ok. L'arbre et le cube. Ok. Code suivant du coup de la lentille. Deux secondes, vas-y. Donc croix à 1h. Attends, croix à 1h, c'est ça que t'as dit. Hein. Oui. Ok, ensuite. Le point à 7h. Ouais. Et la flèche à 10h. Comme ça, ok. C'est bon ? Oui. Le papillon et le couteau. Ok. J'entends une abeille qui fait bzzz dans mon casque, c'est insupportable. Ah, moi j'entends pas... C'est insupportable. Ok. La croix à 4h. Le point à 8h. Et la flèche à 11h. Ok. Bon. Le papillon, la pyramide, le cube, le couteau. C'est bon pour toi? Ok, ben let's go alors, c'est bon? Il y a encore des codes ou on a fini avec ça? Ben là après on va... Donc il y a normalement... Il y a les boutons à faire. Tu sais, t'as 3 boutons en haut, 3 boutons en bas. Ah là, oui, attends. Donc on va aller plus vite, hein, évidemment, que lorsqu'on découvrait le jeu, parce qu'on connaît les mécaniques. Vas-y, je suis au bouton, là. Ok, du coup, en haut, c'est haut-bas-haut. Et en bas, haut-bas-haut, hein. Voilà, et en bas, c'est tout en bas. Ça a changé, dis donc. Une disquette jaune. Je sais plus où je dois le mettre, la disquette. Dans le lecteur de disquette. Dans la disquette, ici. Ah ouais. Oula. Changement du programme. Ah oui, c'est vrai, c'est le cercueil d'Albert de mémoire qu'il faut que j'aille. Oui, il y a un cercueil. C'est ça. Avec des lettres. Ok. Et c'est pas les mêmes lettres en plus. Oui, je me doute bien. Du coup, faut que tu me les communiques. Alors, le L de Albert. Ok. Le VA. De Vanderboom, ok. Ok. Le B, le ER, pardon. ER. Et le O. Le B, je le surligne ou pas? Non, je suis trompé. Le O, alors moi j'ai deux O. C'est le premier. C'est bon pour toi? C'est bon. Donc il y a son truc sur le cœur. Ah, et c'est pas la même photo. Cette fois-ci, c'est Irma que j'ai en photo. Ah, donc c'est différent. C'est différent, ouais. Bon bah du coup vous aurez 6 épisodes au lieu de 3, hein. Ah ouais, bah oui. Alors peut-être qu'il y en aura que 5, on verra vu comment... Ouais, ou 5 ou peut-être 4. Voilà. Le 3, ça va, ouais. Voilà, et donc le code c'est IDAV. Après il va te demander un code à 4 lettres. C'est ID, IDAV. Attends, j'ai marqué ID déjà. AV. Et j'avais émis l'hypothèse qu'on était connecté par un WebSocket. En fait, il n'en est rien. Hein. C'est juste que les énigmes font en sorte qu'on doit être toujours synchronisé. Et en fait, on a chacun une moitié de jeu. Mais nos PC, en fait, ne communiquent absolument pas. C'était une illusion. Je me suis bien fait avoir, hein, mine de rien. Mais on n'a absolument aucune connexion avec aucun serveur pour jouer ensemble. Faut juste qu'on ait tous choisi. Faut juste que tous les joueurs aient choisi. En fait, on s'est rendu compte de ça quand on a. Quand j'ai sélectionné un truc avant lui et que la cinématique s'est quand même lancée alors qu'il avait pas appuyé. Ouais, voilà. On avait fait un petit test hors caméra. Parce qu'en fait, la partie avec le papillon, on l'a refaite ensemble, mais en changeant. Voilà, mais moi en prenant le futur et Elodie en prenant le passé. Oui, Elodie, je t'écoute. C'est quoi les deux dernières lettres? AV. AV, donc j'avais un doute. Voilà, merde bon. Mais non mais... Quoi? Ah, IDAV, on est d'accord. Oui, IDAV, oui. Rentrer.
Ok, la personne dans le passé doit insérer la clé de l'hôtel et obtenir les trois éléments, l'os, la CR, le sang, et sélectionner les instructions. Donc je vais devoir te guider à travers ce que me dit la machine. Alors attends, juste une seconde, je vais déjà aller récupérer moi le... Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, hors caméra, on a refait le jeu avec le papillon. Sauf que moi j'avais pris le passé et lui il avait pris le futur. Voilà, en inversant simplement le... En inversant pour que moi je vois ce qu'il avait sur son écran et ce que moi j'avais sur mon écran quand on a tourné les trois épisodes d'avant. J'en ai pour une seconde, je vais récupérer le journal d'Albert avant de commencer les... Vas-y, t'inquiète, de toute façon moi ça avance pas donc... J'ai pas de temps hein. Ah ouais, par contre, la machine avec le temps là, on va galérer sa race. Ouais, ça va, on a... Parce que pour ceux qui savent pas, l'énigme à la fin là, l'épisode où il y avait du temps qu'on s'est foiré, je sais pas combien de fois, c'est super stressant le machin. Puis après, il y a 2-3 trucs qu'on avait pas compris, hein, le... Ouais, mais en même temps, on découvrait un jeu aussi. Voilà. Bon, moi j'ai tout en place. Je suis désolé, j'ai roté dans le micro. Oh bordel. Et pareil, évite de le toucher le micro parce que tu nous as plombé le son déjà les 3 premiers épisodes. J'ai pas touché, hein. Non, mais tout à l'heure, tu l'as fait. Oui, mais c'est parce que je le remets en position. Bon. On commence par l'os. L'os. Donc c'est la dent. Oui. Ok. Donc entrée. Attends, il est en train de me communiquer des trucs. Allez à la trappe. Mm-hmm. C'est bon. Communiquer la séance des dents à la personne dans le passé pour obtenir l'os. Voilà. Donc tu te souviens, ce sont les 10 dents, enfin 10 dents en haut, 10 dents en bas. Faut qu'on fasse la personne dans le passé. A-t-elle obtenu l'os? Ah non, pas encore. Bah non, faut que t'ailles à la trappe pour me communiquer le code de... Où la trappe? Mais quelle trappe? Parce que j'ai... C'est un trappe, c'est une trappe. J'ai plusieurs trappes en fait, c'est ça qui est chiant. Bah elle va s'ouvrir. C'est une trappe avec 10 boutons en haut, 10 boutons en bas. Bon, c'est ouverte. Ok. Bon, c'est bon. T'y suis, Odin ou de oui, d'Albert? J'y suis, j'attends que tu me donnes la première dent, celle qui est éclairée du coup. La cinquième dent en haut. Cinquième dent en haut. En partant de la gauche. Ok. Du coup, clique sur la deuxième dent en bas. Ouais. La troisième dent en haut en partant de la gauche. En partant de la gauche. Ok. Moi, je fais gauche à droite. Du coup, on va toujours compter comme ça parce que c'est plus simple. Sixième dent en bas. Ok. Bah là, ce sera plus simple. La troisième dent en partant de la droite. En haut ou en bas? En haut. Dernière dent en haut. Dernière dent en haut. Tout à droite alors? Oui. La quatrième dent en partant de la gauche en bas. Ok. Troisième dent en partant de la droite en bas. Sixième dent en haut en partant de la gauche. C'est bon, je l'ai. J'ai l'os. C'est bon, donc je peux quitter la trappe? Tu peux quitter la trappe. Ok. Et du coup, il va me demander si t'as obtenu l'os. Donc il faut que je réponde oui, du coup. Oui, tu peux répondre oui. Alors... On a personne dans le passé, a-t-elle obtenu l'os? Oui. Ensuite, donc, tu fais quoi? La chair ou le sang? Comme tu veux, soit le sang, soit la chair. On va faire la chair, allez, on va faire dans l'ordre. On va faire la chair maintenant? Ouais, on va faire dans l'ordre. Ok. Toi, l'ordre, c'est la chair avant. Moi, c'est la dent. Ensuite c'est la chair et ensuite c'est le sang. D'accord, parce que moi dans l'ordre de l'hôtel c'est l'inverse, le sang et la chair. Bon, alors, allez, il faut que j'aille à la trappe. La personne dans le passé doit allumer toutes les bougies et placer le journal. Donner les informations issues du dispositif et obtenir la chair. Donc le truc qui va s'ouvrir. Faut que je trouve juste de quel côté c'est. Ok. Donc c'est le truc avec les diapositifs et pas les dispositifs, hein, chérie. J'ai pas dit ça moi. Si. Non. Ah si. Ah non, je vois du saut. Attends, faut que j'en mette une avant. J'ai les rushs. C'est bon, il y en a une qui manquait, je l'ai mis dedans. Normalement, là, okay. J'ai toutes les images. Okay. Alors, moi, le premier texte, c'est « Enfant, j'ai été attaqué par des abeilles. Ma famille s'est moquée de moi. » On n'avait pas ça. Oui, ça, le journal n'est pas du tout le même. D'accord, donc là, j'ai une image où Albert se fait attaquer par des abeilles et ses frères et sœurs se foutent de sa gueule. Ok. Et donc c'est le quatrième carré. Donc en bas, en bas à droite. Ok. Ensuite, dis-moi. Ah, celle-là, c'est la même. Ida, elle m'a brisé le cœur, donc tu... Là, faut que je trouve cette meuf de me couille. Ah, bordel, ça. Normalement, il n'y a pas de rage hein, pour cette... Attends, c'est Ida, hein.
Oui, Saïda. Donc, ok, donc c'est le deuxième carré en haut. La naissance de ma fille Rose fut le plus grand accomplissement de ma vie. Là, faut que je trouve où il tient Rose dans, ouais, dans ses bras. C'est l'image. Non, ça, c'est pas ça. Ça. Non, c'est le premier carré en bas. Donc, troisième carré. Ok. Bon. Oui. J'ai travaillé sur l'appareil cubique pour établir une connexion avec le futur. Il s'est compte, il est en train de... Ok, donc c'est le deuxième carré en bas. Quatrième carré, donc, ok. Arrêtez de me reprendre. Moi, je compte 1, 2, 3, 4. Ensuite, vas-y, continue. Je sais qu'au moment où je perdrai une partie d'échecs, ma première vie se terminera. Premier carré en haut. Donc le premier carré. Mon âme corrompue traversera le temps en attente de, de la résurrection. Deuxième carré en haut. Pour le... Comment on appelle ça, t'es là, le clé de sol, là? Comment on appelle ça, là, le truc noir, là, dans le jeu? Le corrupted sol. Ouais, ce truc, là. L'âme corrompue, si tu veux. L'âme corrompue, ouais. L'appeler comme ça, ça sera plus simple. Pourquoi l'âme corrompue? C'est son nom. L'âme corrompue. C'est bon? Ouh là. Encore des trucs à remplir ou... J'ai récupéré la chair, si c'est la question. Oui, c'est ça ma question, pour que je valide auprès de... Auprès de la machine. Entrée. La personne dans le passé a-t-elle obtenu la chair? Donc oui. Mm-hmm. Donc là, on va faire le sang maintenant. Oui, donc il faut que je te communique le code XYZ. Attends, il est en train de charger le truc. Allez à la trappe, communiquez les informations imprimées à la personne dans le passé pour retourner le compartiment secret et obtenir le sang. Ta ta ta. Donc, ah, donc c'est cette trappe là, ok. Pourquoi là ? Normalement t'as un code XYZ, oui, oui, je vais te le donner. Donc c'est 2Y, 3Z, 1X. Un message dans l'œil du corbeau. L'œil du corbeau. Ouais. T'as un corbeau toi, tu en as même pas. Moi j'ai rien. À part des papiers avec une abeille, une boîte d'allumettes et la machine, c'est tout ce que j'ai. Et une souris qui est passée aussi. Tu te souviens, alors la version avec l'abeille, avec le papillon, je veux dire, c'était derrière l'arbre. Et en fait, c'est il y a ouais, le tableau. Donc ça change. Voilà. Mmh. Et là, c'est le tableau du corbeau qui possède le code. Et le code est Y3. Attends, Y3 X1 X1, ouais. Z2 Z2, yes. En cours d'impression. Alors, vous trouverez un message dans votre reflet. Z, Y, X. Bon, Z, Y, X, hein. Ne me fasse pas de conneries, sinon... J'ai un plan de la pièce et normalement... la pièce où tu as l'allume-gaz, la table et la chaise... tu as une commode. Ah, donc ça c'est comme pour le papier. Et c'est dans la commode. Ok. Oui, enfin c'est le coffre, mais... Oui. Ouais, c'est le coffre, mais moi ça représente une commode, frère. Ok, bon. Du dessus... X, Z, Y. Attends, X, Z... Y. Oui. Ouais. 3, 1, 2. 3. Ouais, 312. Ok. Buvez votre soupe chaude. Vous aurez une surprise. Ouais, c'est déjà fait. D'accord. Vous doutez que c'était ça. Hop, du coup, j'obtiens. Alors, cette fois-ci, c'est pas un saphir, mais un espèce de rubis en losange. C'est vert, c'est un rubis. Non, c'est rouge. Non, rouge, c'est pas un rubis. Si, rouge, c'est rubis. Putain, on nous a menti dans Zelda. En vert, c'est une émeraude en... Eh, non, mais attends, Non, vraiment, question sérieuse. Bon, s'il y a des gens qui jouent à Zelda, Breath of the Wild, ou bah, dans l'univers de Zelda, ou même le dernier qui est sorti, Tears of Kingdom, avouez, ils mettent des trucs verts, là. Ils appellent ça des rubis, alors c'est des émeraudes, c'est... Connard. On s'est fait avoir. Et en bleu c'est des saphirs. Et bah ça fait ça des rubis aussi alors que c'est bleu. Donc on a des émeraudes et des saphirs en fait. On a pas des rubis dans Zelda, ils nous mentent.
Ils nous mentent. C'est un complot. Oh, je crois que t'as des rubis rouges, mais ils appellent ça rubis vert, rubis bleu, rubis rouge, et con. Mais en fait, non, d'accord, en fait, on se fait avoir, les gars. Totalement. Je suis sûr qu'en anglais, en plus, c'est pas ça. Je suis sûr qu'ils ont traduit ça, comme ça, t'es... Bon, t'as récupéré le sang, ou... C'est bon, j'ai récupéré le sang, et donc toi, l'année du futur, c'est la même, c'est 1984. Attends, parce que là... Je... Tiens, c'est bizarre, elle est blanche, l'oreille. Je dis à... C'est vrai qu'elle est plus rosée. Terminé. Veuillez confirmer que la personne dans le passé a obtenu trois éléments. Indiquez l'année du futur. Donc 1984... Non, pas ça, frère. 1984. J'arrive pas à... Ah, ok. 84, hein, on est d'accord pour là-dessus. 84. J'ai un arbre qui se forme et j'ai une... C'est quoi, une disquette? Non, c'est une cassette. Insérez la cassette et indiquez l'heure. Après, ouvrez l'échiquier et terminez la partie d'échecs. Ah, la partie d'échecs. La cassette. Oh, j'ai peut-être avoir la musique de step. Je vais voir si c'est la même en même temps. Très marrant que ça soit pas la même, je te jure. On va voir ça tout de suite. Ah merde, oui. Donc pareil, hein, vous ne l'aurez pas ou très peu. L'heure, c'est... J'ai une heure, par contre. L'heure, c'est 14h35. C'est la même musique, hein, je confirme. Du coup, quand on a échangé hors caméra, qu'on a changé... Moi, j'ai pris le passé et que monsieur a pris le futur. Il a entendu la musique dubstep, il s'éclatait dessus. Ah, elle est cool. Elle est cool, cette musique, je suis désolé. Pourtant, j'ai pas la musique comme ça, mais elle est cool. Ah, j'ai un tournevis qui vient de qui vient de s'ouvrir à moi. Normalement, t'as des trucs qui ont... Donc moi, j'ai le... T'as des trucs qui a dû tomber tellement que ça fait boum, 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 boum. Oui, oui, bien sûr, c'était le... Alors moi, par contre, j'ai plusieurs trucs à ouvrir avec un tournevis. Ah, le fameux tournevis. Alors, chérie, un tournevis... pour serrer la vis, tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre, pour desserrer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. J'ai vu que tu galérais à ça lors du montage des trois premiers épisodes. Ah, vous savez comment c'est, hein. À la maison, c'est l'homme qui bricole. Dit-il alors qu'il sait absolument pas bricoler, hein. C'est bon, j'ai réussi. Ok. C'était un peu long, mais... Ok. T'as l'échiquier, là? C'est bon. T'as quoi, toi? J'ai placé les pièces. Du coup, Moi, j'ai toujours le noir en A1. Ça y est, pas de soucis. Et toi, du coup, tu t'es déplacé de F1 à A6. T'as traversé tout l'échiquier. Toi, tu es en 5E. 5E. C'est une diagonale aussi, du coup. Ok. Tu es en A3. Tu es en E1. F3. Attends, je vérifie juste un truc avant de continuer. 1, 2, 1, 2. Oui, c'est bon. Mon micro est bien enregistré. Tu dis donc je suis en... C3. C3. Tu es en D comme Daniel, 1. Je sais ce que c'est un D. Hein. Non, parce que parfois entre B et D, on peut mal s'entendre. Alors, t'es en C6. C6, c'est l'enfer, la C6. Du coup, tu es en D6 et c'est la fin de la partie. D6. Ouais. Donc je suis à côté de toi, en fait. Ouais. J'ai récupéré une disquette. Qui a connu une disquette? Oh, j'ai eu un succès! Moi, j'ai connu les disquettes. J'ai ramassé un succès. Viens là, toi! Ah, c'est cassé, la souris. Mettre la disquette rouge, là, on est d'accord. Hein.
Chargement du processus. Ah. La personne dans le passé doit placer les pieds sur les yeux du défunt. Attention, cette opération pourrait corrompre son âme. Mmh. Donc c'est 3, 1, 5. Quoi ? Pardon, oui, excuse-moi. Oui, donc ça c'est fait, hein. Moi j'ai avancé un petit peu. Programme de suspension démarré, le programme crée une suspension électrique. Quelle synergie permettra d'établir une nouvelle connexion avec le cube d'oie du futur ? Et là, la machine, elle a pété un câble. Ajustez la décharge de gaz. Mettez les 6 interrupteurs dans la bonne position. Alors, interrompez le contact visuel. Placez des fusibles pour protéger le cœur de l'appareil et débloquer le levier de suspension. Alors, du coup, on va commencer par la grille. Tu sais, la grille avec les 3, donc les 3 machins à déplacer. Moi ? La grille avec les 3 barres. D'abord les 3 barres, tu sais, avec les gradués de 1 à 5. Oui, bah c'est ça que je te disais. Voilà. Ouais, du coup, c'est 3, 1, 5, 5 le code. 3, 1, 5. Oui. C'est bon, j'ai la première batterie. Ouais, vraiment, c'est des fusibles, on dirait chez moi. C'est vrai que t'as encore des fusibles chez ta mère. Bref. Voilà, premier fusible mis. Ensuite. Ensuite, on va faire les boutons. Les boutons, c'est les boutons au bas là. Oui, c'est ça, oui. Les 6 boutons. Ok, c'est bon, suite. Du coup, en haut, c'est bas, haut, bas. Bas, haut, bas. Voilà. Ensuite, bas, haut, haut. Un bouton déplacé. Et pour finir, il nous reste la lentille. Effectivement. La lentille. Ensuite, c'est moi qui dois donner un code ou c'est toi ? Non, c'est toi. Non, je c'est crois. Moi qui dois. Vas-y, donne, dis-moi. Du coup, la flèche à 2 heures. Et ensuite ? La croix à 6 heures. Ouais, ensuite ? Et le point à 10 heures. C'est bon. Et bah, ça sens pas grand-chose, hein. Je te vois avec le masque et l'âme corrompue derrière toi. Et normalement, quand tu vas ressortir de là, tu devrais avoir le fusible et donc me donner l'heure qui permettra d'avancer. En fait, je comprends pas l'image que t'as vue avec Rose sans son masque, parce que non. J'ai plus le masque ? C'est le masque encore. Ouais. Donc, tu as dit que t'avais une image où il y avait Rose. Non, ou en fait, moi je. Ah, attends, c'est peut-être là. Bah non, ça peut pas être là. Mais moi j'ai vu une image sur internet. C'est ça qui m'a dit. Oui, si vous voulez, moi je me suis dit, j'ai d'autres. Il y a un autre chemin. Parce qu'en fait, j'ai vu sur une image sur internet le portrait de Rose là dans ce miroir avec le Corrupted Soul derrière. Et ça ne m'a pas parlé. Ça nous est pas arrivé dans notre run. Du coup, je me suis dit, il y a une autre run à faire avec l'abeille. 15h20, très bien. Je sais pas quelle heure il est dans la vraie vie. La personne dans le passé a-t-elle réglé l'heure sur 15h20? Oui. Dis-moi oui. Et je vais faire le cube là. La personne dans le passé a-t-elle créé le cube doré? C'est en cours. L'a-t-elle placé dans l'appareil cubique? Dès que c'est fait, tu me le dis que je puisse te valider. Oui. Parce que dans le futur, t'as oublié de tout valider, tu sais. Ouais, bah oui. Pour dire à la machine, ouais, t'inquiète, il a fait ça, on va réussir à niquer le game. Allez, c'est validé. C'est validé ? Je peux le valider enfin ? Ok. Il me semble qu'il faut appuyer après sur... Appuyez tous les deux sur la flèche en bas, pendant 10 secondes. La flèche en bas pendant 10 secondes. Et réalisation en action au même moment, c'est bon ? Allez, c'est bon. Moi, c'est validé. Moi non. Bon, j'avais un petit peu d'avance sur elle, mais... Parce que ça voulait pas me valider, en fait. Ça voulait pas rester en place. La machine va exploser, hein. Je t'ai précisé.
Vu comment elle est pleine d'électricité, elle va exploser. Donc moi j'ai le passé chapitre 2. Le futur chapitre 2. Prêt ? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. On clique tous les deux sur continuer. Ok, et donc là, ben, on est parti pour l'inverse du coup. Du coup, est-ce que tu te souviens ? Normalement, tu as des papiers à côté. Pardon, l'interaction était un peu violente là. Le truc avec ding dans mes oreilles là, vas-y. Ah, pareil, j'ai eu un ding aussi. Du coup, les papiers à côté de l'appareil, tu as le code normalement pour. Le code. Ouais. Z1. X2 3Y. Ok, du coup. Quand tu t'y attends pas, ça fait peur. Je sais plus ce qui t'arrive. Donc tu dois aller récupérer le cube noir, enfin tu. Et le placer en C9. Donc dans l'appareil où il y aura le corps de Tutsoul. Comment elle est vieille ? J'y vis, ouais, tu m'étonnes. Ah, t'as la même phrase, toi. Elle est vieille, elle va pas dire j'ai rajeuni. Bah, moi j'ai un doute, parce que moi quand j'ai cliqué sur le miroir, elle m'a marqué c'est mon reflet. Mais je sais plus si dans le mode papillon elle disait c'est moi ou c'est mon reflet. Non, là, j'ai dit c'est j'y vis, un reflet. Ouais, le cube noir, tu disais faut que je le fous tout déjà. En C9, t'as une petite case. Ah, oui, C9. Oui, c'est vrai, t'as raison. Quoi maintenant ? Et maintenant, normalement, tu as des aiguilles rouges, blanches et noires. Il faut m'indiquer le code et je dois le saisir. Hein ? J'ai pas de code à saisir là. Hein ? Non, moi, je dois. Toi, t'as un cadran avec une aiguille blanche, noire et rouge. Ah non, excuse-moi, t'as les 9 cases. T'as les 9 cases, c'est ça, il faut que je te donne le code, excuse-moi, j'ai oublié. J'ai oublié de te donner ce code. Ah, c'est pour ça que je comprenais pas. Du coup, première colonne entièrement appuyée, dernière colonne entièrement appuyée. C'est tout. Ah bah voilà. Voilà, excuse-moi. Ah, j'ai bien des aiguilles là. Voilà, donc je t'écoute pour... La rouge à 3h. Ah, ok. La blanche à 6h. Et la noire à 9h. Ok. Ok, donc pas de soucis, j'ai cru petite saoule. L'âme corrompue. La fille qui ne sait pas parler anglais, bonjour. De pas savoir parler anglais. Hein, ok. Autant. Maintenant, c'est le moment du. De la radio. Ah non, faut que je remplisse. Ah. Attends, j'ai juste un truc avant pour m'avancer. Vas-y. Ou pas en fait, parce que j'ai pas l'impression qu'il veut ce con. J'avais fait ça la première fois, pourquoi ça marche pas ? Si j'ai rien dit, ça marche. Ça a peut-être changé. Non, ça marche, c'est parce que c'est moi qui suis con, c'est tout. Voilà. Ensuite, tu disais la radio, je suis à la radio. Ok. Première fréquence, 91.4. Donc tu te mets à 90 et tu te décales encore un petit peu jusqu'à avoir une musique. Voilà, et tu me communiques les lettres. A-G-A-B. A-G-A-B. Ouais. Ok, 72.0. CDEG 85.3. 85, hein. ETEC. ETEC 110.2. Attends, 110.2.
Non, tu vas rien. B-A-G-A. B-A-G-A. Ouais. Ensuite, c'est fini ou t'as encore un truc? C'est bon, j'ai la clé dedans, donc je vais pouvoir t'envoyer là-dedans. Quoi? La clé où? J'ai la clé de là-dedans, donc je vais te l'envoyer. Donc tu te souviens, c'est le truc avec, voilà, c'est le truc avec, tu sais, les positions des boutons, là. Tu sais, tu peux les mettre à trois, t'as six boutons alignés, ils peuvent être à trois emplacements. Oui, je crois que c'est ça. Voilà. Du coup, le premier bouton est au milieu. Le deuxième bouton est tout à gauche. Le troisième bouton est tout à droite. Mmh. Le quatrième bouton est tout à gauche. Et les deux derniers boutons sont au milieu. Il a créé du coup. Ok. Donc tu vas aller écrire sur le tableau. Et tu vas me communiquer le code XYZ. X 3 Z 1 Y 2. C'est bon? Ça est en train de s'imprimer. Oh bah c'est le même truc. Du coup, il faut que tu entoures avec la craie le cercueil, les yeux. Ouais, ça je sais. L'âme. L'âme, c'est le truc noir. Voilà. Le cube. Le futur. L'os. Attends. L'os, il est où par contre? L'os, il est là. La chair. La chair, ça doit être la viande. Mmh. Et le sang. Normalement, tu obtiens le marteau, je crois. Bah parce que ça c'est la même mécanique que le que et j'ai pété la dent. Ah, j'ai l'abeille qui est là, tiens. Donc j'ai une abeille qui se balade. Voilà moi. Attends, pas tout de suite, je peux pas tout de suite. Comme le papy pute. Oh bordel, ça y est, c'est reparti. C'est bon, j'ai aspiré la dent. OK. C'était long. Hein. Ouais. Là par contre, je me souviens plus de la suite. Faut que j'active. Ah oui, c'est ça. Après, tu l'actives pour ressusciter Albert. Est-ce que t'es aux aiguilles, là? Oui, je suis aux aiguilles, donc je... Alors, la noire sur 3. La rouge sur 9. Je vais être un peu emmerdé avec la blanche. Non, c'est bon. Et la blanche sur le 11. Parfait. C'est bon? Voilà, donc le corrupted, celui qui est en train de devenir un squelette. Ensuite? Ça m'a donné une clé, la conne. Alors moi, j'ai la fameuse clé, enfin tournevis à couille. C'est un tournevis à douille. J'ai fait la blague deuxième épisode, hein. Mais bon, c'est pas grave. La machine, elle m'a dit... Je recycle mes blagues. Je suis dans l'écologie. Dans l'écologie de blague. J'ai eu peur parce que la machine a explosé pour faire du café là. Ah oui, c'est vrai que t'avais ça aussi. Ouais. Elle me regarde en mode j'en ai marre de la vie, tuez-moi. Je ne sais plus à quoi. Ah, je crois que ça sert à aspirer un truc. Je sais plus. Il manque un truc, je crois, je sais plus. Café manquant, mais j'ai le café, frérot. Il manque la théière, wesh. La cafetière, mais je sais plus où on l'a, la cafetière. Là-dedans, je crois, mais il faut une clé. Ah, j'ai une clé que la souris m'a donnée, en fait, mais... Vous savez, les souris, ils vous donnent des clés. Le chat qui ronfle à côté de moi, c'est insupportable. Ah oui, bah, il s'est remis à sa place, oui. Est-ce qu'on peut dire in maintenant? Oui. Chérie, tiens, c'est pour ça. Mais non, oh. Insupportable, je suis normal.
Hop, j'ai des trucs pour la chair. Le café au machin là. Mm-hmm. Dans le tiroir, j'ai des plans aussi là. Oui, ça c'est bon, donc c'était les rouages. C'est bon, tu l'as fait ? Oui, je suis pris de l'avance. Oui. Ok. J'ai pris un peu d'avance. Il y avait l'ordinateur avec les. C'est ça, avec le donc les fameux ça, ça trois va. Leviers pour moi. Appuie sur le bouton quand la personne du passé a trouvé trois engrenages et dans le compartiment secret. Ouais, donc ça c'est bon. Le code avec les boutons. Voilà. Donc je t'écoute. Donc le deuxième, il est sur le avant sur le premier, il est avant dernier point. Le deuxième, il est sur le premier point. Et le dernier, il est sur le troisième point. Ok. Du coup, le code avec les flèches, c'est gauche. Gauche. Haut, haut. Haut, haut. Bas. Bas. Gauche. Gauche. Haut. Haut. Oh non, c'est le truc du crochet de merde. Ouais. Alors, le code. Alors, attends, j'y vais, j'y vais. J'y vais, je savais. Il y a l'abeille là qui. L'abeille, l'abeille. Sortez-moi de là. est-ce que. Donc le code, je t'écoute. Le code c'est X. Pas X, putain, j'ai plus mes lettres. Y3 X1 C'est bon ? Z2. Je sais plus ce qu'on doit faire avec ce putain de crochet. Oh putain. Ah putain, c'est pas le même labyrinthe, bien sûr, pour bien casser les couilles. Et tu vois qu'il est mal poli aussi. Du coup, on est d'accord, tu es en haut à gauche. Oui, je suis tout en haut à gauche. Ok. Du coup, tu vas faire 3 à droite. Puis 3 en bas. 1, 2, 3. 2 à droite. À droite ? Oui. 1, 2... 2 en haut. 1. 1, 2. 1 à droite. Ouais. 2 en bas. 2. Et là, t'es au 1. Ouais, continue. Ok, tu refais 2 en haut. 2 en haut. 1 à gauche. 1 à gauche. 2 en bas. 1, 2. 2 à gauche. 1, 2. 2 en haut. 1 à gauche. C'est bon. 4 en bas. 1, 2, 3, 4. T'es à l'avant-dernière case normalement. Oui, 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 vas-y. Ok. 3 cases à droite. 1 en bas. 1 à droite. Ouais. Et 2 en haut. C'est bon. Ok. Donc 2 en bas. 1 à gauche. Ah oui, c'est bon. 3 à gauche. 1 en bas. Tout en bas, à la deuxième case, tout en bas là. En partant de la gauche. Troisième case en bas normalement t'es là. En deux là. Bah je suis revenu là. Je suis revenu en haut. Tu es revenu au point de départ. Je suis revenu au point de départ parce que tu m'as fait n'importe quoi là. Bah non, tu me valides pas quand il y est. Donc moi je continue, faut que tu me dises c'est bon à chaque fois que je te dis... Ah tu m'as dit 2 en bas et une fois à gauche, c'est ce que j'ai fait. Hein. Ouais, ensuite une fois en haut et 3 fois... Ah bah oui bah voilà parce que j'ai pas entendu le une fois en haut. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que tu me valides à chaque fois que... Eh bah excuse-moi que mais je t'ai pas compris. Bon, t'es de retour en haut à gauche ? Oui ! Ok. Chérie... Brûle-toi, allez. Bon, le 1 et le 2 sont validés. Oui. Donc on va juste au 3. Oui. Oui. Tu veux qu'on fasse une pause ? Non, vas-y, continue, dépêche. Bon, allez. 3 à droite. 3 à droite, hein, d'accord. 1 en bas. 1 en bas, ouais. 1 à gauche. À gauche. Mmh. Ok. Et tu fais 5 en bas, donc tu vas jusqu'à la dernière case 1, en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Okay. 2 à gauche. Donc, 2 à gauche, ouais. Tu fais 4 en haut. 3, 4. 1 à droite. Ouais. Et 3 cases en bas. Et tout, 3. Yes, c'est bon. Normalement, t'as l'oreille qui est arrivée de ton côté. Ouais, l'ordinateur vient de m'indiquer que l'oreille est arrivée. Très chelou, ouais. T'as le scalpel, je crois, quelque part. Oh putain, ouais, j'ai oublié le... Oh putain, je sais pas où il est.
Il était dans un tiroir lors de la première run. Lors de la run de... Un tiroir. Ouais, dans un des tiroirs de... J'ai pas de tiroir. Du bureau. Ah putain, oui, j'ai oublié le bureau. Il est dans celui d'en bas. Je suis pas sûr qu'il était en bas dans la première partie. Non, non, ça a changé, ça. Les tiroirs, ils ont été non, non, non. J'étais trop loin. Merci, l'oreille. Maintenant, je vais aller niquer le bout de chair. T'as tout, t'as le... J'ai la chair, j'ai le cid, j'ai l'eau, j'ai le café. Et j'ai le feu. Eh ben, on est nickel. Donc là, étape 1, il faut le code. Oui, donc je t'écoute. Attends. 3X. E. Z. 1 Y. Du coup, l'ordre, c'est acide froid, eau froide, café chaud. On va chauffer le café. Ok. Étape 2. 1, Y, 3, X, 2, Z. Jusque là, tu me suis ? C'est bon. Vas-y, dis-moi la suite. Alors, est-ce que ta chair est de forme triangulaire, rectangulaire ou ovale ? Triangulaire, je pense. Triangulaire ? Ouais, ça ressemble plus à un triangle. Du coup, c'est eau froid, café chaud. Attends, eau froide ? Eau froide. Ça, c'est bon ? Café froid. Café froid, ok. Et café chaud. Et café chaud. Ok. Ah. 2, Z, 1, X, 3, Y. Est-ce que ta chair est poilue, a des boutons, boutons ou est lisse ? Boutons, boutons. Des boutons. Du coup, c'est acide chaud. Acide chaud. Attends, je garde l'acide chaud. Vas-y, ensuite. Eau froide. Eau froide. Et à nouveau acide chaud. Je vais voir le truc le plus dégueulasse de ma vie. 1 Y, 2 X, 3 Z. Bon, je vois ça en vrai, j'ai peur. Du coup, c'est un œil, un dent, une dent ou un nez ? Devine. C'est un œil ? Oui. C'est un œil. M'en doutais. J'avais vu comment ça t'écurait. Voilà. Du coup, c'est poison froid, enfin acide froid. Froid, ouais. Eau froide. Froide. Puis eau chaude. Donc faut que je fasse au vélo là. Oui. Ok, terminé. C'est bon, j'ai la chair. J'ai encore eu un succès. Je vais avoir tous les succès que si ça continue. Ah bah normalement on a fait Moi j'en ai eu 17 sur 25 quand on a fait les deux parties. Toi ouais. T'en avais un moins je crois, t'avais 16 sur 25. Du coup pareil hein, faudra qu'on refasse une run hors caméra en inversant nos rôles, comme ça on aura tous les succès Steam tous les deux. Normalement. Oui. Du coup, ah voilà, hop, je t'envoie l'abeille, hop, dans le compartiment, ça c'est ok. Alors ensuite, on a quoi là, je... C'est vraiment dégueulasse comment ça se déplace ce truc. Oui, donc il faudra que tu me redonnes le... Attends. Le code, voilà, je t'attends moi aux aiguilles. Attends, la chair est en train de se mettre sur Albert. Ah ouais, donc je t'attends aux aiguilles pour le prochain code. J'ai le prochain code. Je t'écoute. L'aiguille noire sur 5. L'aiguille blanche sur 2. Et l'aiguille rouge sur 51. Quoi ? Sur 11, tu veux dire, non ? Ouais, sur... Ouais, Sur 10 ou sur 11 ? Sur 10, mais un peu décalé. Parce que moi je prends ça pour une horloge en fait, les gars.
J'arrive ou... Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon ? Je peux me casser de là ? Je viens de voir la chair de Albert se former. Après, je sais plus ce qu'il faut que je fasse, en plus. Alors, attends, moi, j'ai une valve, je... Oh, qu'est-ce qui se passe ? Normalement, c'est le sang que je vais t'envoyer, là. Oh. Ah, ça va être merveilleux, chérie, ça va être... c'est notre meilleur moment. Ah, elle doit être gigantesque. Allez, toi qui aimes pas les bêtes qui piquent. Les abeilles, en fait, tout quoi, en fait. Pour toi, les abeilles, c'est cool. C'est les guêpes, moi, surtout, que j'aime pas. Les abeilles, les bourdons, les guêpes, je déteste tous ces trucs. Et ça pique. Et que bon. Je suis potentiellement allergique, donc ça me plaît pas. Y a un autre truc auquel t'es allergique, c'est la machine chronométrée. Alors non, ça, je suis pas... Est-ce que c'est la prochaine étape? Ça, je suis pas allergique, c'est juste chiant. Donc, on est d'accord, hein, à chaque échec, on repart sur une nouvelle séquence. On ne retient pas... Attends, on m'a donné une clé, l'abeille. Ouais, bah c'est ça, c'est pour accéder à la machine, toi, de ton côté. Elle a disparu. Elle a détruit ma table et elle a disparu. Oui, j'arrive pas à la tourner. Mais, non, je voulais pas faire retour, Ah non, c'est pour avoir la valve. Et après, j'ai un coffre qu'il faut que j'ouvre avec Albert Van Der Boom. Et la veste d'Albert Van Der Boom. Ouais, ça c'est quand il l'aura ressuscité. Ouais, c'est ça que j'ai ouvert, en fait. Avec la clé. D'accord. C'est ça que je veux dire. Et t'as récupéré la valve. Et j'ai récupéré la valve pour ouvrir quelque chose. Pour notre machine préférée. Pour notre machine. Pour la machine détestable de tout univers confondu du jeu vidéo. Allez, c'est bon. T'es prête ? Ouais, vas-y, dépêche. Alors, j'active... deux rectangles. Le cerf. Un T. Putain. Ouais. Le clé de sol, là, je sais pas quoi. C'est comme clé de sol. Ouais, grouille-toi ! Rond dans un... croix dans un rond. Le corbeau ! Barre et rond comme ça. Comme ça. La maison. Ouh, oh, c'était chaud. Un rectangle et deux carrés. C'était chaud. L'arbre. Une épée. Le cœur. Une barre comme ça et un soleil levant, on va dire. L'abeille. Un S. Un œil. Yes. Du premier coup ou... Là on est bon. Là on est bon. Quand on arrive à se comprendre, ça marche. Parce que d'habitude, en fait, on n'arrive pas à se comprendre. Non, c'est le secret d'un couple, hein, c'est une bonne communication. Le fait qu'on a failli tous les deux finir à l'hôpital, mais ça c'est du mal. Ah putain, ouais, non, ouais. Raconte pas ça sur YouTube, on va avoir des problèmes. Non. J'ai des problèmes. J'ai le code avec les trois... Ah oui, c'est vrai, il y a encore... Aide-moi les trois aiguilles. Ouais, vas-y. Alors, tu commences par la blanche et la... Non, la noire, je te commence, parce que sinon tu vas être emmerdé. La noire sur le 6. Ok. La rouge sur le 8. C'est bon ? Et la blanche sur le 4. C'est bon ? Ok. C'est bon ? C'est bon, le sang arrive. C'est bon, je revois Albert. Moi j'ai le cube appuyé. Et du coup, là, j'ai une clé BTR, enfin une clé hexagonale, qu'on appelle aussi clé BTR dans le milieu. Ah oui, c'est vrai. Il y a ce truc là. Donc moi j'ai la longue vue avec les codes pour le cube. Du coup, dans ton cube, tu vois quoi? Dans le cube noir, tu sais qu'il y a un C9. Une bougie. Une bougie. Je te donne ça tout de suite. Voilà. Donc le code, ben c'est 3-8. Si tu imagines un cadran de téléphone.
Ah bah attends, c'était le truc précédent. Du coup, on a... Salut le Corrupted Soul, il se balade. 1, 4, 7, 9. Non, attends. 1, 4, 6, 9, pardon. L'horloge. Dépêche-toi. Bah, je fais ce que je peux, hein. C'est long, là, oh. Bah, c'est la diagonale. C'est 1, 5, 9. La rose. Qui s'appelle Rose des bois des prés des feux niqués. Alors, c'est 2, 5, 4. C'est un L, 2, 5, 2, 5, quoi ? 2, 5, 4. Cette scène, elle me fait toujours aussi peur. Hein. T'as encore un... Albert, c'est barré de... Ah, c'est bon, donc ça marche c'est... Non, Albert, reviens. Bon, donc je peux quitter ça. Qui est-ce? Putain, il fait des... Il s'est prêt pour Naruto, là, le Corrupted Soul. Je sais pas, il a fait une... un Naruto sprint devant moi, là, j'ai pas compris. C'est toi, ma fille. Tant d'années se sont écoulées. Tu m'as ramené à la vie, mais ce n'est pas encore terminé. Nous sommes tous empoisonnés dans les cubes. Emprisonnés. Emprisonnés, pardon, dans les cubes que nous avons créés. Nous devons trouver une sortie. Regarde dans ma poche. Look at the pocket. Look at my pocket. Look at my pocket. Attends, merde, la photo. Ah, moi j'ai la même photo de elle qui tient une espèce de. Ah, de poupée qui est en train de l'étrangler, elle est comme ça. Ah, d'accord. Ah, moi c'est bizarre, j'avais une photo d'Ida. Non, moi j'ai la même photo. Le code, alors. Oui. Et au truc X machin. Oui, oui, oui. 3X, 2Y, 1Z. Non, tu m'as dit 3X. 3X, 2Y, 1Z. T'es sûr que t'inverses pas le Z et le 2? Mais non! C'est 3X, Y, 2, 1Z. Ok. Je sais pas pourquoi. Ok, du coup, il faut que t'ailles au tableau et que tu entoures. Attends. Attends, parce que lui, il est en train de me dire « What the pocket ?» Pocket, ta gueule. Ensuite, vas-y. Donc, les yeux. Mmh. Le futur. Ouais. Le masque. Ouais. Les gemmes. Attends. Les gemmes, ouais. Et le cube. Et le cube. Et j'ai une clé. Qui vient de tomber. Je ne sais pas c'est la clé de quoi. C'est du coffre de l'autre connard. Ah bah l'abeille elle est de retour tiens. Attends. Où tu vas? Où tu vas? Où tu vas? Ah oui c'est vrai. J'ai les trois masques sa mère là. Ouais. Donne-moi un masque. On est où là que c'est plus ça? Donc moi c'est bon, j'ai mes trois figurines qui sont apparues. On peut commencer par le masque de l'hiver? De l'hiver hein. Ouais. Ok. J'ai pas commencé par celui-là mais. Le masque de l'hiver, c'est le masque blanc, hein. Oui, entièrement blanc. Mais punaise! Je sais plus ce qu'on doit faire. Ah, l'horloge. L'horloge. Donc les trois... Les trois aiguilles. Vas-y, je t'écoute. La blanche sur le 3. Ok. La rouge sur le 11. Et la noire sur le 7. Pas pocket. Bon. Ok, c'est bon, j'ai l'aiguille vaudou, je vais pouvoir faire ma tambouille. J'ai que ça à faire moi avec ce masque là? Ouais. C'est nul. Voilà. Tu peux passer à la suivante et trouver le prochain truc. Bah c'est quoi que tu veux comme masque? Il y a le masque de cerf ou le masque de musicien? Le cerf. Mais
Albert, fais un effort, merde, mets le masque. Masque de cerf, tu sais qu'il ça fait peur. Je sais, bah, il est rouge. Et si je dis pas de bêtises, ce sont les leviers. Du levier sur le troisième trait. Ok. Deuxième levier tout en bas. Et le troisième levier tout en haut. C'est bon, tu peux passer au musicien, mais c'est la radio de toute façon. Juste laisse-moi placer. Hop, le joyau. Et je t'écoute du coup pour la radio, le code de la radio. Albert, il danse, ça me fume. La radio. J'ai pas de station particulière à mettre ou... Non. F, G, D, C. Nickel. C'est bon ? Ouais, normalement je devrais avoir le cube qui apparaît. Donc toi, prépare-toi à aller taper le code. Tu sais, c'est 9 cases. Tu vas avoir un code sur les 9 cases. Il y a le C9 là ? Ouais. Ok. J'y suis, mon poteau. Attends une seconde, j'ai une animation et après tu. Après je te donnerai le code. Nananina. Nananana. 2, 7, 9. 2. Ouais, 7, 9, c'est ça ? C'est ça. Récupérer son putain de cube. On va en faire quoi déjà du cube, je sais plus. Tu dois le donner à Albert. Ah oui, Albert qui... Et après on doit maintenir 10 secondes le clic sur le cube et c'est la fin du jeu. Donne-moi le cube, bah tiens prends-le ton cube. Bon on va synchroniser quand même hein, histoire de... Là on doit tenir le cube là. Hein? C'est bon t'as donné le cube oui, à Albert. Oui. Donc juste tu lui fais faire défiler son dialogue. Bon, il a fait une parole. Bon. Et attention, on va cliquer donc 10 secondes sur le milieu de notre cube, donc toi le cube noir. Non, attends. Faut qu'il parle. Il a décidé de parler, de dire le futur, le passé, le futur, pas les couilles. Ah, je t'ai dit de faire défiler. Un cube dialogue. Dans un cube, ouais, mais je pensais que t'avais fini de parler, mais j'appuie sur lui, mais il disait rien. Il y a une sortie. Oui, allez ta gueule. Donne le lac auquel nous appartenons. Tous les deux, ma fille! Les trois germes ont été découvertes et que le cube doré est apparu dans le passé. Regardez attentivement le cube que je tiens. S'il est. Ouais, t'as que t'es tout ferme. Ferme-le! Tu me saoules. Chut! Chut! C'est bon, normalement. Prêt, 1, 2, 3. Et voilà. Ça n'a pas marché, moi. Ah, moi, ça a marché, moi, c'est bon. L'animation s'est lancée. Je sais pas, moi, ça avait un pet de marcher, le boy. Ah, ça vient de marcher, toi ? Ouais, je sais pas. Ah, y a t'as un truc... pris des synchros, c'est rien. Ouais, y a un truc qui a pas fonctionné, j'ai pas compris. Putain, le son est chelou, moi. J'ai un son un peu déraillé là. Il est un peu différent, j'ai l'impression. On n'avait pas cette musique là. Hein. Ouais, on n'avait pas cette musique là avec le. Avec le papillon. C'est un problème avec les insectes, toi. Hein. Non, pas plus que ça. Et tu confonds un papillon et une abeille. Tu as mené l'expérience à son terme, l'autre personne dans le passé a-t-elle également terminé? Attends, non, pas tout à fait. Je t'attends, bah, allez, je t'attends. Mais de toute façon, voilà, hein, c'est la fin, on la connaît. Ça a été plus ou moins la même. Ah! L'expérience a-t-elle amenée à son terme? Est-ce que l'autre personne a également terminé? Du coup, ouais. La boucle est brisée, passé et futur sont réunis. Oui. Le temps n'existe pas dans le lac, le futur et le passé ne font qu'un. L'autre personne et toi-même, vous ne faites qu'un. Désormais, vous appartenez tous les deux au lac, où votre âme s'épanouira.
Et voilà, donc cette seconde run, voilà, avec l'abeille, donc en fait, bon, c'était essentiellement des codes qui étaient différents. Quelques sons, j'ai l'impression, qui étaient un peu différents. Mais au moins, on aura fait les... Elle a eu peur du chat, mais j'en peux plus. Non, non, c'est pas ça. C'est que j'ai voulu m'en tourner pour le caresser et mon dos, il a fait crac. Ah. comment ? Donc voilà, donc c'était ce second ordre. Ça va être encore un enfer pour finir cette vidéo. Je le sens. En gros, faut plus qu'on fasse de vidéos à deux, c'est ça qu'il est en train de me dire en fait. Et pourtant, j'en prévois une autre avec toi. Ah ouais. J'étais pas au courant. Ah non, non, j'ai imaginé ça, je t'en parlerai. Putain, j'étais pas au courant. Oh l'enfoiré. Pourquoi c'est encore un jeu en coop ou. On va jamais réussir à finir. C'est un concept, je t'en parlerai après. J'ai peur. Donc je sais pas si ça sortira sur la chaîne, je sais pas ce que ça. Si, bah, si, attends, si on le fera ou pas. Si, je t'en parlerai après. Attends, si ça sort sur les tu veux faire un truc avec moi, mais t'es pas sûr que ça. Bah, si, bref. Si t'es d'accord ou pas, mais on en parlera. Ok. Bref, du coup, mais après, d'autres jeux en coop, hein, peut-être qu'avec Elodie, on jouera des choses. Certainement aussi. Voilà. Je place mon petit pseudo parce qu'il m'appelle toujours Elodie. Je t'avais demandé. Ouais, si je m'en fous. Tu peux dire les deux, je m'en fous. Parce que tu n'as pas de chaîne YouTube ni rien, donc. Bah non, je fais pas de vidéo YouTube, mais j'ai quand même une chaîne YouTube pour regarder des vidéos, mais j'ai pas de. Bon. Donc j'espère que cette seconde run. C'est comme si sur Internet, sur Instagram. Elle me fatigue. Allez, je peux finir la vidéo ? Oui, je t'attends. Très bien, donc j'espère que cette seconde run avec l'abeille cette fois-ci vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine série qui viendra le mercredi qui suit cet épisode. Sur ce, je vous dis à bientôt.